Bonjour à vous tous, amis bricoleurs. Je vais vous révéler où j'ai réussi à mettre cette pièce de 2 centimes pour qu'elle me fasse gagner 200 euros. Mais attention, c'est 200 euros chaque année avec la même pièce et ceci pendant 10 ans. C'est parti! Je prends 270 douches chaque année comme la moyenne des Français. Chaque douche dure plus ou moins 6 minutes. Le robinet ici me délivre 10 litres d'eau par minute, ce qui fait des douches à 60 litres sur l'année, 16 000 litres d'eau. Chaque mètre cube d'eau me coûte 3 euros, 16 fois 3, quasiment 50 euros pour moi, mon budget d'eau. Comme nous sommes 4 dans la famille, ça fait un budget global, 200 euros d'eau, rien que pour les douches chaque année. Bien évidemment, je ne me douche pas à l'eau froide. Pour chauffer ces 16 000 litres d'eau que j'utilise chaque année, de 15 degrés à 40 degrés pour un confort sympathique, ça me coûte des sous. 16 000 litres fois 4,18 kilojoules, qui est la quantité d'énergie qu'il faut pour élever 1 litre d'eau de 1 degré, que je multiplie par 25 degrés, parce que de 15 à 40 degrés, il y a un delta de 25, et je multiplie ça par 11 centimes, parce que chaque kilowatt me coûte 11 centimes chez EDF avec les taxes. Et je divise ça par 3600, parce que c'est des kilowatt-heure et pas des kilowatt-seconde. Divisé par 3600, ça me donne à peu près aussi 50 euros. Et comme nous sommes 4 dans cette famille, ça fait 50 fois 4, ça fait encore 200 euros de budget pour chauffer l'eau de la douche. Cette petite introduction de calcul étant faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. J'ai cherché une rondelle en métal pleine de 20 000 mètres de diamètre. J'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ces 2 centimes. J'ai percé un trou en son centre de 2 000 mètres de diamètre. Et cette rondelle percée avec ce petit trou, je vais l'insérer juste avant le pommeau de douche. Et ainsi, je vais réduire énormément la consommation d'eau. De combien je vais le réduire? Je vous propose qu'on regarde ensemble. Pour connaître le débit de ma douche, j'ai pris un bocal, un grand bocal. J'ai mis un trait au niveau 1 litre. Je vais mettre le pommeau de douche à l'intérieur. Je vais allumer à fond le robinet et je vais compter le nombre de secondes qu'il y a pour qu'on arrive jusqu'à 1 litre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À peu près 6 secondes pour faire 1 litre. Ça fait 10 litres par minute. Si maintenant j'ouvre le pommeau de douche, comme ceci, et que je rajoute simplement ma pièce percée, et que je referme, on va refaire le test. Je remplis la douchette. Voilà, c'est parti. À fond, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 secondes. On est presque à 3 fois moins. Même si là le calcul montre que c'est 3 fois moins de consommation d'eau, je vais considérer que déjà si j'arrive à diminuer par 2 ma consommation d'eau avec cette petite pièce de 2 centimes, je serai déjà très très fort. J'ai essayé de faire des plus petits trous et des plus gros trous. On va dire que 2 mm, c'est le minimum dans lequel on a encore la sensation d'être dans une douche normale. On voit bien qu'il y a moins de pression, mais c'est pas gênant. Un tout petit inconvénient à ce système, c'est que vu qu'il y a 3 fois moins de débit, on va attendre 3 fois plus longtemps dans la douche que l'eau chaude arrive. Alors, pour pallier à cet inconvénient, il suffit d'allumer le robinet d'eau chaude dans la salle de bain et dès que l'eau commence à tiédir au robinet, on ferme le robinet et ça devrait arriver immédiatement dans la douche. Et ben voilà, on est parti pour des essais. Alors, ouh, oh, ça me fait, c'est sympa. Alors, pour bien commencer cette année 2019, j'ai prévu d'offrir à tous les tipeurs qui vont m'aider financièrement cette année 2019 une petite rondelle qu'ils pourront mettre dans leur douche et peut-être qu'ils pourront économiser la même chose que moi, le minimum que je puisse faire pour eux. Et bien voilà, et si on était des milliers à faire ça, ou même bien plus, est-ce qu'on pourrait ou pas arrêter une centrale nucléaire ou deux, hein? Pourquoi pas? Voyons où. Ah, j'ai oublié, le 19 et 20 janvier de cette année, à Dunkerque, il y aura une super conférence sur l'énergie. C'est moi qui vais causer.
Il y aura même de la musique. À bientôt.